Au sein de la station d'expérimentation, nous avons voulu évaluer le potentiel de valorisation du bois raméal fragmenté en culture maraîchère. Ce bois raméal fragmenté a été obtenu grâce à l'entreprise normande Ecobois. Pour ce faire, le bois bocager est étudié sur système de culture légumier, soit par un apport au sol en incorporation, ou bien par paillage de la culture. L'essai est structuré en trois parties. La première année, en 2022, le sol a été travaillé et du BRF y a été incorporé par l'ordre de 0, 50 et 100 tonnes à l'hectare. L'année suivante, en 2023, cette année, en juin, nous avons implanté une culture de choux de 1000 ans. Nous avons suivi les effets de cet apport sur la culture, soit avec l'incorporation qui avait été effectuée en 2022, ou soit sur une démolabilité par paillage de 100 tonnes à l'hectare. Sur la parcelle derrière moi, vous voyez que le chou est bientôt à récolte. L'année prochaine, ce sera une nouvelle culture de rente qui sera introduite, ce sera une culture de poireaux. Pour ces essais, nous avons choisi des cultures légumières représentatives des terres normandes. Dans un premier temps, à court terme, nous évaluons les intérêts agronomiques de ce type d'apport ainsi que les limites sur la qualité des légumes, le rendement ainsi que la flore adventice. Sur ce dernier point, notre projet de 3 ans seulement sera probablement limitant pour voir de réels effets.